Bonjour à tous, il est 18h30, nous voici donc au lancement de cette visioconférence organisée dans le cadre de la concertation publique du projet de port de plaisance de Coupvray. Nous sommes aujourd'hui au siège de Val d'Europe Agglomération. Vous le voyez, cette visioconférence va se passer masquée. Évidemment, nous avons tous conscience de la crise sanitaire et faisons tout ce qu'il faut ce soir. Nous avons mis en œuvre tous les moyens humains et techniques pour que le débat se poursuive. Depuis le 23 octobre, en effet, vous posez vos questions quant à ce projet. Ce soir, toutes les parties prenantes du projet sont autour de la table ou à distance pour pouvoir répondre à vos questions. Avec nous aujourd'hui, la liste est longue. Philippe Descoué, président de Val d'Europe Agglomération, Thierry Séry, maire de Coupvray, Fernand Verdelet, qui est premier adjoint de Coupvray, Corinne Larue, qui est garante de la concertation mandatée par la CNDP, Catherine Georges-Héroc, qui est responsable du pôle urbanisme prévisionnel de VEA, Frédéric Vassor, architecte urbaniste de Cité-Cité et également coordinateur du projet. Avec nous également ce soir, Ilé Saveski, PDG d'Axone, ainsi que Cécile Dierkens, qui est directrice adjointe au projet immobilier de Mathieu Bar. Avec elle également sa collègue Gabrielle Mataé, qui est responsable projet, ainsi que Gwenaëlle Lequerré, qui est écologue directrice de projet chez Confluence. Avec nous également, mais à distance donc, puisque la situation l'impose, Laurence Tual, chef du bureau des affaires générales et domaniales VNF, Baptiste Duluc, qui est adjoint chef de l'UTI Marne et chef de subdivision VNF, ainsi que Nabil Larade, qui est président de SIPOR, Bastien Viol, qui est ingénieur d'études chez SIPOR, Jean Archambault, directeur de projet chez Safège, et Béatrice Latz, architecte paysagiste chez Urbicus. Ensemble, ils maîtrisent tout le projet et ses composantes et ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais puisque nous sommes ce soir au siège de Val d'Europe Agglomération, je propose de laisser la parole à son président, Philippe Descoué. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à Val d'Europe Agglomération dans le cadre de la concertation du port de Coupvray, dans un contexte que vous connaissez. Comme vous le savez, compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid-19, la réunion publique de ce soir ne peut se tenir en présentiel pour l'ensemble des participants. Nous avons donc organisé cet événement en visioconférence pour permettre au plus grand nombre d'y participer et de répondre à toutes leurs questions. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette concertation. Alors, avec plus de 42 millions de visiteurs cumulés, le Val d'Europe est aujourd'hui la première destination touristique et commerciale d'Europe, et ce par la présence des parcs d'attractions de Disney, de Village Nature, de son centre commercial et de la vallée Village. Le projet de port de Coupvray m'apparaît donc comme une excellente alternative à ces autres projets val-européens orientés sur le tourisme de masse et doit nous permettre de compléter notre offre touristique tout en valorisant le patrimoine historique et écologique de la commune de Coupvray. À la demande de son maire et de ses élus, la commune de Coupvray donc a engagé un projet de création de port de plaisance sur le canal de Meaux à Chalifert, intégré dans son nouveau quartier d'habitation et qui s'inscrit dans une démarche de slow tourisme en contrepoint du tourisme de masse qui caractérise le secteur du Val d'Europe. Ce projet de port de plaisance de Coupvray est un projet particulièrement innovant qui répond à trois objectifs: la diversification en matière de développement économique, lié au tourisme avec une ambition touristique locale, départementale et régionale. Offrir aux croisiéristes une nouvelle étape de plaisance fluviale entre la Seine et le Rhin et plus particulièrement entre Paris et les caves de la Champagne. Donc un objectif de développement durable, répondre à une demande importante de stationnement de bateaux de plaisance sur cette section de la Marne avec une centaine d'anneaux, ambitionner une haute qualité environnementale pour la réalisation et la gestion du port. À ce titre, l'obtention du label Pavillon Bleu sera exigée du futur gestionnaire. Un dernier objectif de mixité sociale, développer autour du port un nouveau quartier d'habitation diversifié en mixant de l'habitat individuel et collectif, des commerces et des services avec une véritable vie de quartier. C'est donc tout naturellement que Val d'Europe Agglomération a décidé de s'associer à ce projet. La commune de Coupvray et VEA ont donc convenu par convention que la maîtrise d'ouvrage unique de cette opération soit confiée à l'agglomération. VEA est donc maître d'ouvrage délégué de la commune pour la réalisation de la darse du port, donc le bassin portuaire, des aménagements nécessaires au projet et réalisera au titre de ses compétences les réseaux d'eau et d'assainissement. Val d'Europe Agglomération a donc décidé d'engager la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI par délibération du 27 février 2020. Cette procédure permettra à VEA de se prononcer sur l'intérêt général du projet et de faire évoluer le PLUI en vigueur pour permettre sa réalisation. Enfin, compte tenu de la nature du projet et dans un souci de transparence et d'échange avec la population, VEA a pris l'initiative, en accord avec la commune de Coupvray, d'organiser volontairement une concertation préalable qui porte sur le projet dans son ensemble et sur les évolutions rendues nécessaires du PLUI. Je rappelle que cette procédure de concertation est menée sous l'égide d'une garante désignée par la Commission nationale du débat public. Voilà ce que je tenais à vous dire en introduction de cette concertation, que je souhaite la plus riche possible en échange. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je laisse le soin à mon voisin, M. Thierry Séry, maire de Coupvray, de vous présenter ce projet. La parole vous sera ensuite donnée pour poser vos questions auxquelles les techniciens spécialistes du projet ici présents pourront répondre. Voilà, M. Thierry, c'est à vous. Alors, je pense qu'il est important de revenir à la genèse de ce projet. Ce projet s'est inscrit dans le cadre d'un développement touristique voulu par VNF sur la Marne, dans le même principe que celui qui s'est fait sur la Seine. Reims est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ce développement touristique peut se faire naturellement. Et comme l'a dit très bien le Président, nous sommes l'une des premières destinations européennes, si ce n'est la première par le nombre de visiteurs, et il semblait nécessaire et évident que une halte fluviale devait se faire sur le Val d'Europe. Il s'avère que cette halte fluviale peut se situer sur Coupvray et sur le canal qui va de Chalifert à Meaux. C'est une zone privilégiée et Coupvray a toujours, dans ses objectifs politiques depuis bien longtemps, développé le slow tourisme et le tourisme vert, à travers la mise en valeur de son patrimoine, bien évidemment, et de ses espaces verts et de l'ensemble de son territoire. Le slow tourisme, c'est une façon un peu différente de faire du tourisme par rapport au tourisme de masse tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est un tourisme plus lent qui respecte les espaces et les sites. Pourquoi aujourd'hui ce tourisme est important? On le voit, on s'est engagé dans cette démarche maintenant, voilà plus de 6 ans. Aujourd'hui, on s'aperçoit avec les problèmes de Covid que le slow touriste a vraiment un avenir très important. Et on voit aussi le développement du tourisme à travers le département qui a décidé de faire une grande politique du territoire du département de Seine-et-Marne à travers ce slow touriste. Et nous venons nous inscrire bien naturellement dans l'ensemble de cette démarche. Ensuite, je vais essayer de vous présenter le port. Je ne sais pas si on voit un slide derrière. Alors, le port est situé sur la route de l'Èche, tout de suite après les équipements sportifs. Alors pourquoi le choix de ce lieu? Parce que déjà, il est placé sur le canal. La commune maîtrise une partie du foncier sur la partie sud. Et elle est située à côté d'équipements majeurs qui sont un groupe scolaire et un équipement gymnase et piscine. Donc venir construire de l'habitation dans ce cadre-là permet en effet de profiter des équipements de proximité sur des distances très courtes, ce qui permet d'éviter des déplacements par véhicule. Donc on voit sur la partie basse, alors je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro parce que je tourne un petit peu la tête, on voit sur la partie basse le canal, l'ensemble de la darse et du port qui vient en jonction avec ce canal, et on voit la répartition des bâtiments au pourtour. En fond, on retrouve l'ensemble des équipements. L'ensemble de ce programme immobilier sur la partie sud est situé autour d'une piazzetta dans laquelle un certain nombre de commerces et d'équipements viennent nourrir ce projet. Et on retrouve sur la partie nord le projet d'Axone, qui est un projet privé. Et nous avons décidé de faire une concertation sur la globalité de ce projet, sur cette partie privée et sur cette partie publique portée pour la commune, pour qu'on ait un projet d'ensemble et une vision d'ensemble et une concertation qui soit nourrie par l'ensemble des échanges. Voilà. On est donc là en entrée de ville, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez peut-être, alors sans rentrer peut-être dans le détail sur lequel on reviendra plus tard, mais nous détailler quand même les éléments du contenu programmatique de ce projet? Alors, sur la partie sud, nous avons 195 logements, donc 49 logements sociaux. Sur la partie nord, nous avons 48 logements, dont 18 logements sociaux. Il y a une surface dédiée à de l'activité sur 1300 m² qui seront décomposés pour 850 m² d'espace commercial et 470 m² de services, mini-crèches, capitrineries, local de vie. Très bien, donc un projet très complet en entrée de ville pour changer aussi l'image de cette entrée de ville. Parfait, merci beaucoup. Peut-être un petit mot, Fernand Verdelet, vous êtes premier adjoint à la mairie. Pouvez-vous peut-être nous détailler le montage de ce projet et notamment son financement? Alors, sur le montage du projet, je ne reviendrai pas sur ce qu'a présenté le président de Val d'Europe Agglomération en introduction. Simplement, le projet est effectivement complexe, puisqu'au début, s'est posé la question de la compétence. Qui a compétence pour réaliser ce type de projet? Est-ce que c'est Val d'Europe Agglomération ou est-ce que c'est la commune? Apparemment, Val d'Europe Agglomération a la compétence pour le développement économique. Et dans ce développement économique rentre la création et la gestion de deux types de zones d'activité, des zones d'activité touristiques et des zones d'activité portuaires. Donc là, nous avons mandaté un cabinet d'avocats pour faire une analyse juridique et qui a montré que le port ne s'inscrivait dans aucune de ces deux catégories, ce qui a été d'ailleurs confirmé par le préfet de Seine-et-Marne. Et donc, c'est la commune qui est compétente pour réaliser ce projet. D'où l'articulation qui a été évoquée entre Val d'Europe et la commune avec un système de maîtrise d'ouvrage délégué pour réaliser ce port. Donc c'est VEA qui a la maîtrise d'ouvrage délégué, qui procède à la désignation des bureaux d'études qui vont étudier la conception à la fois du port en tant que tel, et ça c'est Urbicus Safège qui en est chargé, et également le bureau d'études SIPOR Ingénierie pour la conception du port en lui-même. Donc là c'est VEA qui rémunère ces bureaux d'études et qui refacture ensuite le montant des prestations à la commune de Coupvray. Donc vous me disiez sur... Donc la répartition des rôles, on a compris effectivement comment vous vous répartissiez entre Val d'Europe et la ville. Et ensuite, concernant le financement de ce projet? Alors sur le financement du projet, au stade d'aujourd'hui, où on en est à l'avant-projet, le montant total du projet est estimé par les bureaux d'études à 10 600 000 euros hors taxes. Donc ce qui est une somme importante, ce qui comprend la construction du port, la réalisation des voiries et des réseaux et l'acquisition de 775 m² de locaux pour une partie des commerces, pour la capitainerie, pour une mini-crèche de 15 berceaux et un local de vie. Donc comment ces 10 600 000 euros vont être financés? Eh bien, ils seront financés par la vente, par la vente des terrains d'assiette des constructions au sud de la route de l'Èche, à un tarif qui est de 417 euros hors taxe le mètre carré de surface de plancher, par une participation des promoteurs au VRD au travers d'un projet urbain partenarial, par une participation de Val d'Europe Agglomération au titre de la mini-crèche, par une participation du futur gestionnaire du port au titre de la conception et de la réalisation du port porté par la commune. Et le reste à charge pour la commune sera de l'ordre de 5%, en gros un petit peu moins de 500 000 euros, mais avec 775 m² de locaux qui seront propriété de la commune. Juste pour préciser, le projet vient de faire l'objet d'une inscription au contrat de plan État-Région qui finance des projets structurants, et toute subvention obtenue dans ce cadre-là viendra bien sûr diminuer la part communale. Voilà pour ce qui est du financement. Très bien. Vous le savez, cette visioconférence a pour objet de faire remonter les questions qui sont arrivées à vous par le biais de cette concertation. Or, certains habitants s'interrogent sur le coût par habitant de cette opération, mais aussi sur le contexte actuel, avec notamment une entreprise Disney en difficulté, forcément, compte tenu du contexte. Et donc, des questions sont revenues sur l'impact que pourrait avoir cette situation sur ce projet. Alors, peut-être une réponse en deux temps. sur, je dirais, le coût par habitant, on ne l'a pas évalué, mais en tout cas, effectivement, il y a des questions qui ont été posées sur le risque de déficit, hein, en disant les ports de plaisance, habituellement, sont déficitaires. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, effectivement, qui serait supporté par les habitants de Coupvray? Donc, pour ça, il faut préciser que la gestion du port, pour la gestion du port, nous avons recours à une délégation de service public avec un délégataire qui assumera la quasi-totalité de la responsabilité et des risques attachés à cette gestion, ce qui ne générera pas de coût pour la commune ni pour ses habitants. Simplement, la commune aura à entretenir les voiries et les espaces verts, comme elle le fait d'ailleurs pour tous les quartiers qui sont réalisés, les quartiers d'habitation qui sont réalisés hors zone privative, bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, le gestionnaire aura un certain nombre de charges à assumer pour ce qui est du port, donc son exploitation, la maintenance, l'entretien, mais également la capitainerie, l'aménagement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance. Un point propre qui sera effectivement un élément important pour la préservation de l'environnement, donc dans sa conception et sa réalisation. L'obtention du label bleu, pardon, qui est un label de qualité environnementale. Et puis, il y sera demandé également un programme de services et d'animation pour les plaisanciers qui viendront, et même pour le public, pour la mise à disposition de transports doux, pour l'animation culturelle, pour la promotion et la communication. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui feront que c'est ce gestionnaire qui va faire vivre ce port. Alors, pour ça, vous me direz, bon, c'est peut-être un peu du rêve. Non, pas du tout, puisque nous avons pris des contacts préalables avec des gestionnaires de ports de plaisance. Nous avons pu visiter deux ports, l'un à Nogent et l'autre à l'Arsenal à Paris, et qu'effectivement, et nous avons fait venir d'ailleurs un gestionnaire pour visiter le site à Coupvray, et ils ont tous été très intéressés et ont manifesté un intérêt pour le projet. Sur la deuxième partie de la question, sur l'interrogation par rapport à la situation ambiante et notamment les difficultés liées au Covid et qui impactent Disney, peut-être qu'il faut se rappeler plusieurs éléments, c'est-à-dire que le socle économique du port, c'est avant tout la plaisance privée. C'est une clientèle qui est différente de celle qui fréquente habituellement les équipements touristiques comme ceux de Disney, sans pour autant exclure qu'à la marge, certains plaisanciers de passage en profitent pour effectivement aller visiter Disney. Et puis, d'un autre côté, vous avez les opérateurs des péniches hôtels qui peuvent être intéressés par une escale à Coupvray, car c'est une clientèle qui est plus tournée vers le slow tourisme, comme on l'évoquait, le maire de Coupvray l'évoquait tout à l'heure, et qui recherche plutôt le caractère authentique d'un village, son patrimoine culturel et historique, les possibilités de s'approvisionner en produits locaux fermiers. Et là, ça correspond tout à fait avec un autre projet que la commune est en train de mener sur la mise en place d'une activité de maraîchage biologique, donc pour valoriser les produits locaux. Voilà, donc on voit que la réussite de l'opération, compte tenu de ses caractéristiques, ne dépend donc pas entièrement de la fréquentation touristique des parcs de Disney. Très bien, avec, même si je comprends bien, une clientèle finalement potentiellement assez différente, même si certaines passerelles peuvent être trouvées entre les deux. Et si on entend slow tourisme, j'imagine aussi potentiellement une clientèle plus locale. Juste une précision, c'est que parmi les plaisanciers, un plaisancier sur deux est une personne à la retraite. Très bien. Alors justement, pour faire un petit point d'étape, savoir où nous en sommes et quelles sont les prochaines échéances, on imagine qu'un projet tel que celui-là nécessite des études, des autorisations, des démarches administratives, où en est notamment la démarche de déclaration de ce projet. Je propose à Frédéric Vassor de Cité de nous répondre. Alors effectivement, la genèse de ce projet nécessite beaucoup d'études et de démarches administratives. On m'entend assez là, ouais. Depuis 4 ans maintenant, un peu plus, les études sont vraiment rentrées dans leur phase opérationnelle. La commune a d'abord lancé une étude d'opportunité et de faisabilité pour stabiliser les hypothèses qui avaient été pressenties par les élus, qui ont abouti effectivement, dès 2016, à confirmer l'opportunité de développer un accueil pour la plaisance sur ce segment du canal de Chalifert, sur une capacité qui a été cadrée autour d'une centaine d'anneaux, et a été également cadré, disons, les prémices de ce que pourrait être l'équilibre financier qu'évoquait M. Verdelet à l'instant, entre la nécessité d'investissement de cette infrastructure et ce qu'une opération immobilière privée pouvait apporter, disons, pour la financer. Et c'est ce qui a amené cette étude de faisabilité à caler cette capacité à environ 200 logements pour accompagner cette infrastructure. Cette première étape a été suivie ensuite d'une étude beaucoup plus opérationnelle qui a été confiée à deux cabinets spécialisés, l'un en étude de voirie, réseau, aménagement, le cabinet Urbatech, et le cabinet Grelet Conseil qui, lui, s'occupe essentiellement du tourisme fluvial. Donc cette étude a été menée en 2017 et elle a confirmé les prémices que j'évoquais tout à l'heure. Et donc... poser les premières estimations financières du coût exact, disons, de réalisation des opérations. C'est à cette époque, comme l'a également expliqué tout à l'heure Monsieur le maire, que donc la commune s'est entourée de l'expertise d'un cabinet d'avocats qui, avec VEA, a donc cadré et calé, avec beaucoup de réflexion, les procédures à mettre en œuvre qui ont abouti aujourd'hui à cette déclaration de projet qui a retenu, disons, l'intérêt de tous les partenaires parce qu'elle permet d'associer, pour faire simple, sur une seule enquête publique, l'ensemble des démarches environnementales et urbanistiques. C'est-à-dire que les autorisations d'urbanisme nécessaires à cette opération, permis de construire, déclaration de travaux, permis d'aménager, etc., feront l'objet d'une même instruction, d'une même analyse au cours de l'enquête publique que les dossiers d'études environnementales qui, eux, suivront leur chemin normal, disons, pour mener jusqu'à l'asperton l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale. Donc ce cadre-là a été donc calé il y a un ou deux ans maintenant, et nous sommes aujourd'hui donc à la veille du lancement de cette étude, vraiment maintenant, de cette procédure juridique de mise en compatibilité du PLUI et du dépôt, après cette concertation, des dossiers d'études environnementales. Parallèlement, des études techniques ont été lancées, études topographiques, études géotechniques. On ne va pas se lancer dans les détails ce soir, mais enfin, elles ont été menées, disons, pour permettre aux études de viabilisation et aux promoteurs qui intervenaient sur le site de caler leurs prestations. Enfin, et c'est ça, c'est très important, le nerf de la guerre dont parlait M. Verdelet tout à l'heure, il a été créé donc en décembre 2018 une zone de projet urbain partenarial donc qui met en scène les participations des deux promoteurs intervenants sur le site et qui, à travers 3 permis de construire, vont concourir, disons, au financement de cette importante opération. Je ne sais pas si le chiffre a été donné tout à l'heure, on est sur une participation des promoteurs de plus de 3 millions d'euros. Près de 4, hein, c'est ça, ouais. Oui, la question a justement été posée en ligne sur Internet il y a quelques minutes. Je vous rappelle que cette concertation n'ayant pas pu se tenir avec la présence d'un public physique, on va dire, vous avez la possibilité de poser vos questions en live sur Facebook. On en reçoit un certain nombre et on traitera celles qui ne l'auront pas été à la fin de cette réunion. Je vous en prie, donc vous étiez sur le poids des promoteurs qui faisaient justement partie des questions posées. OK. Les autres points à avoir en tête, c'est les études environnementales, effectivement, qui sont un process très complexe, très long. Ces études ont été cadrées par un dossier qu'on appelle cas par cas, et à l'issue duquel la MRAE, l'autorité régionale environnementale, a soumis l'ensemble du projet à évaluation environnementale, étude d'impact, pour faire simple. Donc la totalité des projets, aussi bien au nord qu'au sud de la route départementale, feront l'objet d'une autorisation environnementale unique et pour lesquels les dossiers qui sont diligentés par le bureau d'études Confluence, qui est ici ce soir, a déjà réalisé l'état initial de l'environnement qui a été mis en ligne, que vous avez pu consulter pour ceux qui s'y sont intéressés, et qui maintenant va entamer la phase, disons, d'écriture de ce qu'on appelle la démarche ERC, évitement, compensation, de l'impact environnemental du projet. L'étude faune-flore a été faite il y a déjà plus d'un an maintenant, sur une année entière, comme c'est nécessaire. Les promoteurs que j'évoquais tout à l'heure viennent par deux entrées. Au nord de la route départementale, c'est le promoteur Axone Promotion, qui est ici ce soir, qui lui est bénéficiaire d'une promesse de vente depuis de nombreuses années, et qui a accepté de différer, disons, le dépôt de son opération, ils ont permis de construire, pour l'intégrer à la démarche globale environnementale et de conception du quartier, et qui est donc titulaire d'une promesse de vente sur les terrains privés. Au sud de la route départementale, c'est un peu différent, puisque là, les terrains étaient communaux, et donc la commune a organisé une consultation de promoteurs qui s'est déroulée en 2019 et qui a abouti, après deux tours de consultation, à la désignation de Mathieu Bar immobiliers, également présent ce soir, pour la réalisation, donc, au sud de ce quartier, de 195 logements collectifs, qu'ils pourront détailler tout à l'heure si des questions sont posées en matière de, notamment, ce qui est remarquable, c'est aussi bien au nord qu'au sud de la route départementale, une recherche de labellisation en passive house. Pour conclure, je signalerai simplement que les maîtres d'œuvre ont été désignés. Ils sont avec nous ce soir, mais en virtuel. Vous pourrez également leur poser des questions. Le bureau d'études Urbatech et Suez, associés, co-traitants pour tout ce qui est paysage, desserte et viabilisation, et le bureau d'études SIPOR, qui s'occupe de la DARS elle-même. Un mot, parce que des questions étaient posées, me semble-t-il, sur les modifications du PLU, où certaines ambiguïtés avaient été levées ou des incompréhensions. On précise donc que les modifications du PLUI et la mise en compatibilité qui a été mise en route concernent quatre principales modifications. D'une part, la transformation d'une zone urbaine destinée aux équipements, la zone UE, qui couvre l'ensemble du territoire avec l'école, la piscine, les terrains de foot, les tennis, etc., et dont une partie peut être consacrée au port, à la DARS elle-même et à l'opération immobilière. Donc ce secteur de zone UE est transformé en zone UA. On reste donc bien dans le domaine des zones urbaines, sans extension du périmètre urbain. Pour la partie nord que Axone Promotion développe, ici c'est une zone qui était déjà vouée à l'urbanisation mais sans règlement, et donc qui serait donc ouverte à l'urbanisation pour permettre cette opération. Donc là on passe d'une zone 2AU à une zone AU. Enfin, deux modifications strictement liées au port lui-même. La zone du canal fait l'objet d'un petit secteur spécifique pour permettre sur les berges l'aménagement nécessaire aux infrastructures portuaires. Et issu d'ailleurs des réflexions menées par le bureau Confluence et sur la nécessité de prendre en compte la rupture de berge et les continuités écologiques, aussi bien sur le long de la rive du canal que nord-sud, entre la partie du talus de la voie ferrée et le canal, une sorte de corridor écologique va être recomposé, disons, pour lesquels la commune a acquis, et spécifiquement pour cette opération, des parcelles qui seront donc plantées, arborées, boisées pour reconstituer ce corridor, que Gwenaëlle Lequerré pourra développer peut-être tout à l'heure au fur et à mesure des autres questions. Enfin, je conclurai là-dessus. La dernière étape, disons, qui a été mise en route, et celle qu'a évoquée M. Verdelet tout à l'heure, c'est celle de la délégation de service public. Cette procédure a été lancée. On en est au premier tour de consultation, qui va donc arriver au choix de trois délégataires, candidats qui ont été retenus, et pour lesquels la consultation va maintenant être organisée d'ici la fin de l'année. Je crois que des questions avaient été posées sur les échéances également et sur les dates, donc je ne vais évidemment pas donner le planning détaillé de l'opération. Retenez quelques dates. Courant 2021 devrait voir l'aboutissement des études, enfin des procédures environnementales et des autorisations d'urbanisme, études d'impact, permis de construire, déclaration de travaux, permis d'aménager. Fin 2021, démarrage des travaux, et début 2022, on reste prudent sur les échéances, démarrage des travaux aussi bien du port que de viabilisation des projets immobiliers, pour une fin de travaux voirie et réseau desserte en 2023, et une fin de travaux immobiliers pour la fin de l'année 2024. C'est à peu près les échéances qu'on est en mesure, disons, d'indiquer aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait répondre aux questions qui étaient parfois sur plusieurs interrogations, mais auxquelles on peut répondre de cette façon aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce point et aussi pour ces prochaines étapes que vous venez donc d'égrener. Un petit mot peut-être sur cette première étape de la concertation. Nous avons avec nous la garante de cette concertation, Corinne Larue. Pourriez-vous nous expliquer rapidement quel est le rôle de cette procédure, mais aussi quel est votre rôle au sein de cette concertation qui plus est, se passe dans un contexte un peu particulier? On vous écoute. Merci beaucoup. Donc effectivement, tout au long de la vie d'un projet, il y a toutes ces procédures et ces processus administratifs, mais il y a aussi de temps en temps, à des moments donnés, des places données, une place qui est donnée pour les habitants, pour ceux qui sont intéressés, pour pouvoir donner leur point de vue et puis pointer d'éventuelles difficultés ou des intérêts des uns et des autres par rapport à un projet donné. Et dans ce cadre-là, il y a un moment un petit peu en amont, qui est celui d'aujourd'hui, qui est une concertation volontaire, qui n'a pas été imposée, hein, que les maîtres d'ouvrage ont souhaité organiser à ce moment-là du projet. Et ils ont demandé à la Commission nationale du débat public de nommer un garant ou une garante, en l'occurrence une garante. La Commission nationale du débat public, c'est une autorité administrative indépendante et qui est en charge de suivre, de promouvoir et d'organiser éventuellement des débats publics et des concertations. Dans le cas présent, la concertation est organisée par le maître d'ouvrage. Donc moi, je n'en suis que l'observatrice. J'y ai fait quand même quelques recommandations, puisque dans le rôle que m'a assigné la Commission nationale du débat public, eh bien, je fais une petite enquête préalable, essayer de comprendre un peu ce territoire que je ne connaissais pas, essayer de comprendre ce projet. Et puis, fait quelques recommandations pour aider, quelque part, parfois, le maître d'ouvrage à concevoir, à organiser cette concertation. Aussi, j'ai pu donner un avis sur le dossier qui est mis à disposition pour informer les populations. Et qui est sur le site. Et donc, mon rôle est essentiellement un rôle de suivi, de conseil, de recommandation, mais pas de responsabilité de la concertation en tant que telle. Et à l'issue de ce processus, eh bien, je vais devoir faire un rapport sur la manière dont ça s'est déroulé, sur la manière dont les remarques des uns et des autres ont pu être prises en compte. Mais je ne donne pas d'avis du tout sur le projet. C'est-à-dire que mon avis, il ne portera que sur ce processus de concertation lui-même. Alors, il est vrai que dans le contexte du Covid ou de la Covid, c'est un petit peu plus difficile. Le maître d'ouvrage a dû faire face à des trésors d'imagination pour essayer de maintenir un lien avec la population. Et c'est vrai que les observations ont été dématérialisées, mais on a voulu les rendre visibles pour tous. Ce débat public de ce soir est un peu un débat bizarre, puisqu'il n'y a pas vraiment débat avec les uns et les autres, mais néanmoins une capacité qui a été maintenue à distance pour que des observations puissent être réalisées et que les uns et les autres puissent répondre aux interrogations des uns et des autres. Alors, c'est sûr que ce n'est pas les conditions idéales, mais que, compte tenu du contexte, la technologie nous permet quand même de maintenir un minimum d'interrelations et de capacité de poser des questions et d'y avoir quelques réponses de la part de ceux qui portent ce projet. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication sur cette part importante donc, qui est la phase de concertation et qui permet de prendre en considération les avis et interrogations de tous. Peut-être rentrons un peu dans le détail des développements urbains qui sont prévus autour de ce projet de port. On le disait tout à l'heure, deux promoteurs portent deux projets, à savoir Axone et de Mathieu Bar. Je propose peut-être aux équipes d'Axone et notamment au président Ilé Saveski de nous expliquer en quoi consiste son projet, peut-être un rapide historique et puis surtout un résumé de ce à quoi il faut s'attendre. Tout à fait, oui, bonsoir. C'est pas le... Ah, alors, pardon, je crois que c'est le plan de la partie de oui, Mathieu Barde. Excusez-moi, je reviens à vous dans une minute. Les slides vont nous faire intervertir votre ordre. Est-ce que peut-être, du coup, le projet donc, est en relation avec ce visuel étant celui de Mathieu Barde, est-ce que Gabrielle Mataé, par exemple, oui. ou Cécile Dierkens, voilà. Bonsoir, donc Gabrielle Mataé pour de Mathieu Bar immobiliers. Donc nous sommes l'opération immobilière au sud de la route départementale. Nous sommes arrivés donc sur le projet, comme Monsieur Vassor l'a redit, à travers une consultation lancée par la ville de Coupvray, dont nous avons été lauréats. Donc notre opération se divise en deux îlots. Un îlot sud le long de la route départementale, qui comprend 4 bâtiments, A, B, C et D, et un îlot plus au sud comprenant 2 bâtiments, E et F. Donc ces bâtiments en tout comportent 195 logements, dont 49 logements sociaux. En pied d'immeuble, on aura aussi divers locaux d'activité, donc notamment une mini-crèche. On aura aussi un local vie commune et la future capitainerie de la Darse, ainsi que quelques locaux d'activité. Nos logements, d'une façon générale, il y aura une typologie variée, puisqu'on propose des logements du studio aux 5 pièces. Une spécificité de nos logements dont on a un peu parlé également plus tôt, c'est que nous atteindrons le label passif à hausse. L'objectif de ce label, donc, c'est d'avoir, je vais essayer de faire simple, une isolation et une ventilation performante qui nous permet d'avoir non seulement un confort thermique, mais qui permet aussi de réduire les consommations énergétiques, donc de réduire les coûts et l'impact sur l'environnement. Pour finir, une autre spécificité, nous proposons des logements évoluvie. Donc, ce sont des logements évolutifs pour lesquels nous avons un brevet. Ça permet de diviser un logement en 2 parties ou inversement de rassembler un logement en 2 parties. Donc ça nous permet de répondre aux besoins des parcours résidentiels si par exemple les futurs acquéreurs ont besoin d'une chambre en plus ou en moins au cours du temps, puisque ces 2 lots peuvent en fait être totalement indépendants. Et puis avec les temps qui courent, ça permet si besoin d'avoir une pièce de même totalement indépendante pour le télétravail ou autre. Très bien, je vous poserai les questions qui sont arrivées lors de cette concertation à tous les deux. Ensuite, je vous propose peut-être déjà de présenter la partie Axone du projet sur un autre site avant d'en venir aux questions. Bonsoir. Donc Axone Promotion, nous sommes un promoteur privé local. Notre siège social est à Chessy. Nous travaillons sur cette opération depuis près de 7 ans maintenant, sur une zone qui au départ était effectivement une zone A urbanisée, en limite d'un quartier pavillonnaire, d'un lotissement de maisons individuelles. Et effectivement, la réflexion de la ville, nous l'avons épousée, c'est-à-dire que depuis 4 ans environ, 4-5 ans maintenant, il y a une réflexion plus globale autour de cette marina. Et donc nous avons complètement revu notre projet sur la programmation et également sur l'apport d'un équipement public qui est en l'occurrence un parking que l'on peut voir en haut à gauche du plan masse. Nous y avons également intégré une vingtaine de logements sociaux donc, sur l'entrée de ville qui font une réponse donc, aux bâtiments jumeaux de la partie sud et donc de la consultation. Et nous allons construire une quarantaine de maisons en passive house voilà, qui correspondent parfaitement à la demande locale en fait, de maisons individuelles. Donc notre programme est différent de celui du quartier sud qui offre des logements collectifs. On vient en fait compléter l'offre avec de la maison individuelle pour accueillir des familles, voilà, tout simplement. Alors justement, l'une des questions qui est revenue régulièrement consistait à savoir comment vous, en tant que promoteur, vous vous étiez adapté aux attentes de la commune et de ses habitants. Bon, bah, dans votre cas, on vient de l'entendre, c'est la totalité du programme qui a été revue finalement avec l'évolution de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres exigences fortes que vous avez entendues et retenues et auxquelles vous êtes adaptés l'un comme l'autre ? Alors, nous, on ne l'a pas souligné, mais effectivement, notamment le label passif à hausse, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et ça, c'était une demande très forte de la ville. Et ensuite, juste le parcours résidentiel également. Donc, répondre à ce besoin de certains habitants que nous pouvons permettre grâce au logement évolutif. Il y a aussi des questions autour des inquiétudes autour des nuisances sonores, que ce soit liées aux routiers, aux ferroviaires, etc. Comment les avez-vous pris en compte dans vos programmations et dans vos modes constructifs envisagés? Alors, je vais encore répondre en premier, après pour vous. Alors, nous, de notre côté, donc évidemment, on va prendre en compte les nuisances sonores et le principal point, c'est que tous nos logements étant passifs à hausse, on va avoir du triple vitrage, ce qui permettra évidemment de réduire très fortement ces nuisances. À noter que pour notre opération donc au sud de la route départementale, on a seulement une façade le long de la route départementale qui est réellement impactée par ces nuisances sonores et qui sera traitée en conséquence évidemment. Alors nous concernant la nuisance sonore, puisqu'on est un petit peu loin de la marina, ne sera portée que par la circulation sur la départementale qui reste quand même quelque chose d'assez, je dirais, normal. On est... en milieu malgré tout urbain. On envisage quand même un ralentisseur, enfin un système de ralentissement avant l'entrée de ville, donc du coup les voitures rouleront aussi moins vite. Ensuite, les nuisances pourraient venir de l'utilisation du parking sur des périodes d'événements voilà, qui pourraient, puisque c'est un parking public. Mais là aussi, on a prévu dans la circulation donc, de la résidence une circulation très ralentie et finalement pas de nuisance de véhicules. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous propose de tourner maintenant notre regard vers le port en lui-même avec Nabil Larade qui va donc nous parler pour SIPOR de ce port. Je vous propose peut-être de commencer par nous le décrire rapidement et puis peut-être aussi de nous parler de ses ambitions écologiques. J'ai vu qu'il y avait notamment des choses autour du pavillon bleu, etc. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ce futur port de plaisance? Ah, il est à distance, c'est ça? Donc voilà, donc Tout à fait, désolé. Et il nous entend. J'espère que vous m'entendez. On vous entend super bien et voilà, on est là au cœur du sujet, une vraie visioconf avec des intervenants à distance, prêts à répondre à toutes vos questions. Si vous avez entendu ma question, je vous laisse du coup nous décrire ce port et notamment ses ambitions. Ça marche, bon, on s'excuse de ne pas pouvoir être physiquement présent, mais avec les contextes un peu compliqués, nous qui sommes basés à Bordeaux. Donc on est maître d'œuvre sur l'opération pour la partie d'Ars, donc le port en lui-même, donc qui sera un port fluvial destiné à accueillir une centaine de bateaux, donc principalement des bateaux de plaisance jusqu'à 25 mètres de longueur, et également deux péniches en entrée de Dars jusqu'à 47 mètres de longueur. La volonté de VEA, qui est notre client pour le coup, et de la commune, était d'avoir un port tout ce qu'il y a de plus moderne et de plus en phase avec les contraintes écologiques. Donc on a essayé de garder ces aspects au centre de notre démarche. Pour faire un point assez rapide sur la structure en elle-même, c'est une structure assez habituelle de port, c'est-à-dire un mur en pale-planche couronné d'une poutre de couronnement, avec l'entrée de la darse qui constitue la seule interruption de la berge, et dont on recrée une partie pour pouvoir accueillir des péniches, avec une passerelle qui enjambera pour assurer une continuité de circulation l'entrée de la darse. Alors au niveau de... Oui, allez-y. Pardon, justement, au niveau de cette berge et de cette coupure, il y a eu beaucoup de questions autour de ce sujet. Est-ce qu'il s'agit d'une coupure importante? Sur combien s'étale-t-elle? Quid de la continuité du chemin de halage? Alors, le chemin de halage, tout comme, j'allais venir, les principales contraintes qu'on avait dès l'origine du projet, sur le volet technique, on ne revient pas sur ce qui a déjà été dit, c'était la continuité du chemin de halage à maintenir pour les services de VNF, mais également le dévoiement d'une fibre, d'un réseau de télécommunications assez sensible. Donc on a gardé le même principe pour ces deux, on va dire, cette circulation et ce réseau, à savoir un contournement du bassin par le nord. Donc grosso modo, si on voit sur la slide qui est projetée, on suit la ligne violette qui contourne le bassin pour ce qui est du chemin de halage et de cette fibre. Et l'interruption a été minimisée, enfin la coupure de berge a été minimisée au maximum en maintenant vraiment juste le strict minimum pour laisser entrer les bateaux dans ce nouveau port, et une reconstitution donc pour accueillir les péniches hôtels à droite de l'entrée. On nous a demandé aussi comment avaient été pensés les accès PMR. Les accès PMR, vous voulez dire en gros, est-ce que les personnes à mobilité réduite auront accès à cet espace en ville et pourront s'y promener, tout simplement? Alors nous, il y a une interface entre nous et le maître d'œuvre qui s'occupe de l'aspect voirie, mais effectivement, le port en lui-même est pensé pour que les francs-bords des bateaux soient directement sur le bord à quai. Donc, il n'y a pas de passerelle et de catway, justement pour assurer une proximité des bateaux aux circulations piétonnes et accessibles aux personnes handicapées. Depuis tout à l'heure, en direct, on a aussi... Alors, vous avez parlé, je crois, tout à l'heure du nombre de cercles, c'est comme ça d'anneaux qu'on dit dans ce port, voilà, du nombre d'anneaux. Une centaine d'anneaux, oui. Pour autant, on a un certain nombre de questions sur effectivement le nombre de bateaux, mais aussi leur nature, leur taille. Et du coup, forcément, on nous dit sur Facebook notamment que ça va forcément doper la circulation fluviale. Quelles seront les conséquences? On nous parle de bateaux diesel, de différentes tailles, etc. Comment voyez-vous les choses? Alors, le bateau reste un moyen de transport doux et des moins polluants. On a prévu des bornes de recharge, enfin des bornes électriques et des bornes d'eau pour tout ce qui est, plaisance. La taille des bateaux est variable. La plupart des bateaux seront inférieurs à 16 mètres, donc ça reste des petits bateaux. C'est pas des bateaux qui sont les plus impactants sur ces sujets-là. Pour nous, il y a un sujet donc qu'il a fallu tenir, prendre en compte, mais on peut pas. Après, ça pourra se gérer plutôt sur la gestion du port, donc contrôler les bateaux qui éventuellement pour pouvoir respecter le label Pavillon Bleu. Donc en phase d'exploitation. Justement, vous nous parliez tout à l'heure du travail avec le gestionnaire du port. Des questions aussi à ce sujet. Pourquoi l'avoir choisi si tôt? Pourquoi l'impliquer si tôt dans ce projet? Alors ça, c'est pas dans notre mission. Peut-être souhaitez-vous répondre là-dessus? Je vous laisse répondre, Fernand. Oui, il nous paraissait intéressant effectivement de pouvoir désigner assez rapidement le gestionnaire du port, pour qu'ils puissent dialoguer avec le bureau d'études qui va assurer la conception de ce port, pour que vraiment ils se mettent en phase et que le port corresponde exactement, effectivement, aux attentes du gestionnaire en la matière. Très bien. Merci pour cette présentation du port. On va enchaîner peut-être sur... avec la parole à Laurence Tual et Baptiste Duluc de VNF. Comment VNF voit-il ce projet à son tour et... Ah, excusez-moi, j'ai oublié une question du public. Concernant le carburant, oui, effectivement. Alors, on nous demande pourquoi l'absence de station de carburant dans ce port. Et du coup, la parole est à nouveau à SIPOR avec Nabil Larade, s'il n'est pas parti. Non, je suis toujours là. Toujours là, super. Il n'y a pas de... Enfin, nous, la question pour tout ce qui est question environnementale, etc., et par rapport à ce qu'il y a comme offre dans les ports de plaisance autour, dans la région, il n'a pas été envisagé de mettre un point de distribution d'hydrocarbures, notamment pour faciliter l'obtention du pavillon bleu, parce que c'est vrai que un point d'hydrocarbures engendrait pas mal de contraintes supplémentaires. Alors, on me relance. Si je peux me permettre un petit complément d'information, c'est que ça, c'est la définition en creux, je dirais. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a déjà 2 stations d'avitaillement de carburant à Lagny et à Meaux, et que donc, il n'y avait aucune raison de créer une nouvelle station à cet endroit-là, à mi-chemin, disons, entre ces 2 postes existants. C'était ça la raison essentielle. Pour pouvoir éviter cette infrastructure, effectivement, qui est lourde de conséquences et d'impacts environnementaux potentiels. Je vois que le premier adjoint de Coupvray cherche aussi à réagir. Je vous écoute. Oui, et puis c'était un choix de la commune, effectivement, indépendamment du fait qu'il y ait la possibilité de s'avitailler sur des stations voisines. Mais pour avoir visité des installations portuaires et avoir vu les points carburants et l'état dans lequel se trouvent ces points carburants, dans la mesure où ils sont mal entretenus, et c'est vraiment repoussant. Et donc, d'un point de vue, je dirais, environnemental, il n'était pas souhaitable, effectivement, d'avoir ce type d'installation sur ce port. On a donc une relance sur Internet concernant ce que vous nous disiez tout à l'heure par rapport à la berge. On nous dit, dans l'étude d'impact et la présentation de projet, il est écrit que le chemin le long du canal sera coupé. Il sera reconnecté par une passerelle en acier accessible par des escaliers, passerelle dont vous nous parliez tout à l'heure. Comment feront donc les personnes à mobilité réduite pour passer? Est-ce que... Alors, la passerelle est considérée comme une passerelle technique, c'est pour ça qu'elle est accessible par un escalier. Donc, ce n'est pas une passerelle qui est censée être utilisée par les gens. Mais plus pour l'entretien et pour les services, on va dire, techniques du port. En revanche, la continuité du chemin de halage, elle, donc pour que ce soit pour le chemin de halage ou pour les riverains qui souhaiteraient pouvoir emprunter ce chemin, contourneront le bassin sur la voirie prévue à cet effet. C'est comme ça que c'est prévu, en tout cas, dans le projet. Très bien, merci beaucoup. Nous allions donc passer la parole à VNF, qui est à distance également. Est-ce qu'ils sont là et est-ce qu'ils peuvent nous expliquer comment eux voient ce projet? Alors, est-ce qu'on les a en ligne? Oui, tout à fait. On est là. Si on nous entend, on est là. Je pense qu'on entend effectivement Baptiste Duluc, c'est ça? Oui, je vais mettre la webcam, comme ça tout le monde pourra éventuellement me voir. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous expliquer voilà, votre point de vue sur ce projet et la façon dont vous l'appréhendez? D'accord. Donc, juste pour rappeler, nous, VNF, dans nos missions, on a notamment le développement, l'accompagnement au développement touristique fluvial. Et dans ce cadre-là, nous avons identifié, ça a été introduit, dans un schéma directeur, l'aménagement du port de Coupvray. Après, sur ce que je peux vous dire sur le bien fondé de la construction d'une darse et également de la coupure du chemin de halage, là, VNF n'a pas de position à prendre sur ces 2 sujets. Très bien. Quelle est aujourd'hui votre vision justement sur la navigation de plaisance? Est-ce qu'il y a là un marché à capter et en augmentation? Je vais peut-être laisser là-dessus ma collègue Laurence qui aura peut-être plus d'informations à vous donner. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonsoir, oui, très bien. Voilà, bonsoir. Oui, donc pour compléter un peu ce qu'a dit Monsieur Duluc, effectivement, ce projet s'inscrit parfaitement dans les orientations du projet stratégique de Voies navigables de France. Et donc en 2019, on a effectivement mené avec les bureaux d'études CATRAM et Indigo une étude de schéma de développement d'itinéraire touristique sur l'itinéraire Marne. Alors notre itinéraire qui s'étend, pour que vous représentiez un petit peu géographiquement, ça s'étend de Mareuil-sur-Aï, donc dans le département de la Marne, donc côté Champagne, jusqu'à Neuilly-sur-Marne, donc aux portes de Paris. Et donc je confirme effectivement le soutien de Voies navigables de France sur le projet de port de Coupvray, comme l'a souligné Monsieur Séry, de par sa on va dire la première destination touristique qui est Disney, et également l'attractivité pour la région Champagne et l'attractivité touristique sur la région parisienne. On nous pose notamment la question des nuisances possibles par rapport à ce port, et la question du trafic de nuit est revenue. Est-il autorisé? Alors, et quelles sont les nuisances potentielles d'une installation de ce type? Tout à fait, là je vais pouvoir répondre. Donc, il faut savoir que le futur port il est prévu sur le canal de Meaux à Chalifert, hein, et que dans ce cadre-là, il y a des écluses à traverser. Et ces écluses-là, à l'heure actuelle, ne sont pas ouvertes la nuit. Elles fonctionnent du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi et dimanche de 8h à 18h avec une pause le midi, d'une petite heure. Donc, pas de bruit à craindre la nuit. Donc, pas spécialement de bruit à craindre la nuit concernant du trafic, on va dire, fluvial. Des questions aussi autour de l'entretien des berges. On a parlé tout à l'heure de répartition des rôles, etc. À qui incombe-t-elle? Donc, l'entretien des berges nous incombe, puisqu'on est sur le canal. Donc, ça nous incombe sur 18 mètres, c'est ça, Laurence? Oui, en fait, sur les canaux artificiels, effectivement, l'État est propriétaire des berges, ce qui n'est pas forcément le cas en fleuves et rivières, puisque ce sont des cours d'eau domaniaux naturels. Donc, effectivement, sur les berges, c'est VNF qui est gestionnaire, puisque c'est l'État qui a confié à VNF la gestion et dont l'entretien. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vous propose de passer la parole maintenant à Béatrice Latz et Gwenaëlle Lequerré de Urbicus et Confluence, qui vont aborder avec nous une problématique majeure qui est revenue par rapport à cette concertation, puisqu'énormément de questions concernaient la circulation. On le voit notamment ce soir avec le live Facebook, beaucoup de questions à ce sujet. La principale crainte des habitants semble tenir à la saturation de la circulation, avec deux ponts sur la Marne qui sont interdits aux poids lourds. Ne risquait-on pas d'être envahi? Quid des convois de remorques? Quelle gêne par rapport à... On nous demandait tout à l'heure si des études d'impact et de trafic avaient été faites. Quel allait être l'impact sur le centre-ville? Beaucoup de questions autour de cette circulation. Est-ce que l'une de vous peut y revenir? Alors, je crois que... Voilà. Béatrice Latz, peut-être? Non? Allez-y, on vous laisse. Alors, on vous écoute, Monsieur Séry, sur cette question. Alors, pour intervenir sur la circulation. La circulation, c'est un sujet majeur sur l'ensemble du Val d'Europe, et ça fait partie des grands questionnements de demain et des combats qu'on doit porter avec M. Descrouet, de façon à ce qu'on ait un trafic qui soit beaucoup plus fluide et anticipé par rapport à l'arrivée de l'urbanisation. Sur le sujet de la RD 45A en particulier, les études de trafic ont montré qu'il n'y avait pas un trafic très important sur la 45A et qu'on avait quelques problématiques sur les heures de pointe qui sont les arrivées et les sorties d'école. Aujourd'hui, un nouveau groupe scolaire est en train de se créer, le GS2, sur la partie des sans-arpents, qui viendra redécouper la carte scolaire. Donc le but de ce redécoupement de la carte scolaire, grosso modo, hein, pour un petit peu résumer les faits, c'est que la partie nord-canal ira sur le nouveau groupe, et la partie sud-canal ira sur le groupe actuel. Donc ça veut dire que les nouveaux logements qu'on a, les 195 logements plus les 48, seront affectés au GS1. Et donc les distances sont relativement réduites. Et normalement, les enfants devraient venir à pied avec les parents, puisqu'on a moins de 200 mètres de distance. Donc le recoupement de cette carte scolaire redistribuera une partie de l'affectation scolaire de l'autre côté. Donc on va se retrouver avec des distances sur la commune qui vont être divisées par 2 sur la globalité, donc ce qui permettra de réduire la circulation aux heures de pointe par rapport à cette D45A. Ensuite, un aménagement, il y a une concertation et des discussions qui sont faites avec le département sur l'aménagement de l'entrée de ville et sur les tournées à droite et tournées à gauche, qui permettra une réduction de la vitesse et qui permettra de fluidifier la circulation sur ces heures de pointe. Très bien. Alors, une petite question au passage qui parle aussi un petit peu de circulation. On nous demande déjà s'il y aura des taxis-bateaux. J'imagine que c'est un peu tôt pour répondre. Pour l'instant, ce n'est pas évoqué. On verra ce que nous proposerons, les DSP, dans le cadre des consultations. Très bien. Donc, un volet circulation, on l'a dit, qui a soulevé bon nombre de questions. Évidemment, un autre volet à mobiliser l'attention des riverains, c'est forcément le contexte écologique de ce projet, avec beaucoup de questions autour de l'impact écologique sur les berges, notamment. On nous demande aussi si cela pourrait augmenter le risque d'inondation. Je vous propose d'écouter Gwenaëlle Lequerré et peut-être de nous rappeler dans un premier temps les grands principes écologiques qui prévalent dans ce projet. Bonjour à tous, Gwenaëlle Lequerré, Confluence. Je voulais rappeler peut-être en préambule, pour répondre à un certain nombre de questions qui ont déjà été posées en ligne, qu'on en est à ce stade dans le cadre de la rédaction des études d'évaluation environnementale à la rédaction d'un état initial, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à partager avec les promoteurs, avec les maîtres d'œuvre, avec les concepteurs globalement de ce projet, les enjeux qui ont été déterminés sur ce site. Alors, au titre de différents aspects de l'environnement, on peut se focaliser ici sur les aspects naturels ou sur les aspects qui sont liés à l'eau, mais un certain nombre d'autres champs ont été prospectés également dans cet état initial qui est disponible à la concertation, y compris le trafic, pour lequel il y a eu effectivement une étude de trafic qui a été menée spécifiquement, puisque effectivement la commune et les concepteurs anticipaient qu'il pouvait y avoir des interrogations sur ce sujet. Pour ce qui concerne les aspects biodiversité, environnement naturel, le constat qui a été fait sur ce site, qui est un site majoritairement occupé par des espaces exploités par l'agriculture classique telle qu'on peut la retrouver dans ce secteur et plus largement sur le plateau Aubriard, et avec un certain nombre d'intérêts qui ont été mis en évidence sur les franges du projet, donc avec des intérêts de continuité nord-sud, et puis un axe principal de déplacement et de biodiversité qui est situé le long du canal, qui est épaulé par une ripisylve, donc un ensemble boisé qui est relativement intéressant, qui est ancien et qui présente donc un certain nombre d'intérêts pour la faune et pour la flore. Donc, ce constat a été soumis à la connaissance de tous. C'est un constat qui s'est étalé sur une année d'inventaire, de façon à avoir une observation la plus objective possible. Et depuis que ces données d'enjeu sont connues, ils font l'objet d'échanges avec les concepteurs, promoteurs, concepteurs des espaces publics, concepteurs du port, de façon à pouvoir prendre en compte ces enjeux dans le développement du projet. C'est ce qu'on a, M. Vassor évoquait tout à l'heure, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. On donne à connaître aux concepteurs les enjeux qui ont été identifiés sur le secteur, ce qui permet d'adapter le projet et de prendre en compte ces enjeux. C'est aussi pourquoi, dans les calendriers, il y a un certain nombre de questions qui sont revenues sur ce sujet. Bien sûr, l'évaluation environnementale n'est pas achevée, étant donné que dans le cadre de cette concertation et de ce projet qui se construit, les choses peuvent être amenées à évoluer. Et donc l'analyse des impacts sera bien réalisée sur la base du projet finalement retenu au regard de l'ensemble des enjeux et au regard de l'ensemble des contributions des uns et des autres. Ça, c'est pour l'environnement naturel. Je ne sais pas si vous voulez que je détaille. Peut-être un petit mot. On nous parlait notamment de potentielles nuisances, d'éclairage la nuit, etc. Et je crois qu'il y a dans ce projet une notion de trame noire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Oui, ça fait partie des sujets importants. J'évoquais tout à l'heure l'intérêt de ce canal et de sa bordure vis-à-vis de la biodiversité. Elle se matérialise, par exemple, par une présence importante de chauves-souris qui utilisent ce canal pour se déplacer, qui utilisent également, de l'autre côté du canal au sud, il y a un aménagement qui a été réalisé, qui est un aménagement de gestion des eaux pluviales, qui s'appelle le bassin, un très joli nom, le bassin 27. Et ce bassin présente un certain nombre d'intérêts, en particulier pour l'accueil des insectes, qui constituent une ressource alimentaire pour les chauves-souris. Donc on a une ressource alimentaire, on a un axe de déplacement préférentiel, et on a effectivement un secteur non éclairé, qui est très favorable à la circulation de ces espèces. Donc ça fait partie des éléments qu'on a pu remonter auprès des concepteurs, de façon à voir comment il était possible d'intégrer dans ce projet urbain la notion de trame noire et préserver ses intérêts en bordure de canal pour limiter les éclairages. Et c'est ce qui a été retenu à ce stade, avec une baisse d'intensité lumineuse progressive en allant vers le canal pour aboutir à une absence d'éclairage tel que c'est le cas aujourd'hui, puisque le chemin de halage n'est pas éclairé. Merci pour ces réponses. On avait parlé tout à l'heure de questions sur le risque d'inondation. Je ne crois pas vous avoir entendu. Je n'ai pas répondu, vous avez parfaitement raison de me relancer sur ce sujet. Pour le risque d'inondation, alors moi je vais pouvoir répondre sur les aspects réglementaires. La gestion des eaux pluviales et donc la gestion du risque d'inondation est portée par le maître d'œuvre des espaces publics, qui est Safège en l'occurrence. Ce que je peux dire sur le contexte, c'est que bien sûr c'est un sujet qui est important sur le secteur, a fortiori en particulier sur la commune de Coupvray, qui est une commune particulièrement qui a connu des épisodes d'inondations douloureux. Et donc c'est bien sûr un sujet qui n'est pas pris à la légère, évidemment. Et comment il a été abordé dans cette évaluation environnementale? À deux titres. D'abord, d'un point de vue bibliographique, il y a des documents qui identifient le risque d'inondation, qui s'appelle un PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. Ce PPRI n'identifie pas la zone programmée en aménagement comme étant une zone à risque en termes d'inondation. C'est une zone qui est potentiellement plutôt sujette à des remontées de nappes, qui pourrait se matérialiser par la présence de zones humides. C'est pour ça qu'une étude a été réalisée, une étude de zones humides a été réalisée pour identifier s'il y avait une présence d'une nappe superficielle très présente et qui pourrait caractériser ces terrains en zone humide. Ça n'est pas le cas en l'espèce. Néanmoins le projet de conception des espaces publics intègre, comme c'est nécessaire, puisque le projet va faire l'objet d'un dossier au titre de la loi Surdeau, donc c'est un sujet qui sera regardé très très près par les services instructeurs. Il y a bien sûr un projet de gestion des eaux pluviales qui permet de contenir les ruissellements qui sont issus des imperméabilisations liées au projet. Je vous remercie pour tous ces éclaircissements. On va parler un petit peu qualité de vie, notamment avec la Safège et Urbicus. Mais ensuite, je vous préviens, monsieur le maire notamment, nous allons revenir sur la question de la circulation. Parce qu'on l'avait dit, ça avait fait remonter beaucoup de questions en amont. Mais il s'avère que ce soir, même s'il est moins simple de voir les réactions à distance que les réactions dans une salle, il semble que le sujet continue de faire réagir. On y reviendra donc quelques minutes avec quelques questions supplémentaires. Ça va jusqu'à des noms de rues précises, donc j'espère que vous saurez répondre à tout ça. Mais dans un premier temps, je vous propose de poursuivre avec la parole donc à Urbicus et aux équipes de Safège autour de la question de la qualité de vie proposée par ce futur quartier. Là encore, on nous pose des questions évidemment par rapport à la qualité de vie et par rapport aussi à la circulation. Certains s'interrogent même sur la possibilité de voir se développer des rodéos nocturnes. Donc la question de la sécurité et de la qualité de vie des habitants de cette zone de la ville est posée. Et je propose à Madame Latz et à Jean Archambault de tenter de nous d'y répondre. Alors, Madame Latz, qui est à distance, et je crois que c'est le cas aussi de Monsieur Archambault. Est-ce que l'un des deux m'entend? Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, on vous entend très bien. Et je vous laisse du coup commencer à répondre. Si vous me le permettez, je vais excuser Béatrice, parce que je viens de voir un message, elle a eu une panne d'ordinateur, donc elle est en train de réparer tout ça pour pouvoir à nouveau nous rejoindre. C'est l'équivalent de la panne de métro dans le monde physique, la panne de réseau dans le monde digital. Écoutez, il n'y a pas de souci, elle est toute excusée. Elle ne saurait tarder. en tout cas, du coup, on vous laisse commencer. Merci. Je vais lui laisser parler, en fait, de tout ce qui est lié à l'aménagement urbain et aux grands principes qui ont été développés. Moi, je suis plutôt la cheville ouvrière, on va dire, de ce projet-là, puisque je viens plutôt dimensionner des ouvrages techniques proposés par rapport à l'aménagement urbain. Donc, je peux apporter des réponses, notamment sur, pas la circulation, mais sur le projet d'aménagement qui a été retenu pour, en fait, donner l'accès à cette nouvelle zone, que ce soit au nord chez Axone, enfin, le lotissement géré par Axone, ou que ce soit au sud pour le projet de port et les projets urbains liés au projet du port. Donc, une étude globale de circulation a été faite, qui s'appuyait sur une prospective à échéance 10-15 ans, prenant en compte tous les projets macro, en fait, régions envisagés dans le secteur, y compris, en fait, les restructurations et les nouvelles voiries, le nouveau tissu routier qui va être mis en place, pour arriver à la conclusion que, en fait, le meilleur aménagement qu'on pouvait mettre en place pour donner accès à la zone était un carrefour giratoire. Donc, ce carrefour giratoire pré-dimensionné par le bureau d'études circulation sur des bases prospectives d'aménagement futur nous a permis effectivement déjà de positionner ce premier équipement. Ensuite, l'équipement qui est mis en place, l'équipement Vière qui est mis en place pour desservir la zone. Donc, la partie nord, c'est uniquement une voie qui donne accès et au parking. Donc, la partie nord, hein, c'est la partie Axone et logements sociaux, parking et lotissement. Donc, c'est une voie qui vient desservir ces trois équipements-là, donc, et qui est très courte et qui est une voie, on va dire, urbaine de desserte. Hein. Donc, je ne vois pas de rodéo se faire dans ces secteurs-ci. La partie sud se termine en impasse avec une placette de retournement à l'extrémité, en fait, de ce projet qui permet en même temps de desservir la cale qui va permettre de mettre à l'eau en fait différents bateaux. Donc c'est une voie en impasse, il n'y a aucune arrivée au bout de cette voie, on est obligé de repartir effectivement vers le nord, qui est uniquement une voie de desserte des différents équipements et bâtiments qu'il y a de part et d'autre, et qui en plus présente dans sa partie nord, hein, donc là on est au sud de la route départementale, donc juste sortant du giratoire et rentrant sur la zone, où on a une pente relativement forte, et après en fait on a des zones avec des plateaux piétons bien représentés, qui permettent des effets de couloir en fait générés par des plantations d'aliments, etc., qui font que la vitesse, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on vient utiliser cette voirie-là. Donc ça, c'est la partie Vière, mais on pourra y revenir dès lors que Béatrice pourra effectivement nous donner et développer les principes urbains qui ont été retenus. Je voulais juste rebondir sur la partie éclairage public, puisque ça a été abordé tout à l'heure, où effectivement la partie éclairage public, en gros, on est parti sur le principe qu'on faisait un éclairage à la demande, dans le sens où, en fait, on éclaire quand c'est nécessaire, mais avec, à la limite, la mise en place d'un abaissement de la luminosité passé certaines heures. Donc ça, c'est le premier dispositif dont tous les luminaires vont être équipés. Et le deuxième dispositif, genre détecteur de présence, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place dans la partie la plus sensible du projet d'aménagement, qui est en fait la partie la plus au sud, le long du canal, où là, effectivement, le constat a été fait d'une faune hein, sensible, qui pourrait être sensible à un éclairage important. Troisième volet sur lequel je pourrais effectivement, je pourrais vous apporter des réponses, c'est le volet au pluvial, comme Confluence a indiqué. Aujourd'hui, on a obligation de traiter tout ce qui est au pluvial, et pour des événements pluvieux qui sont donnés. Et généralement, les événements pluvieux choisis sont les pluies décennales, où le principe qui a été retenu, c'est que la goutte de pluie qui tombe sur la zone, et quand je dis zone, c'est aussi bien le nord pour le lotissement d'Axone que la partie sud de la route départementale, l'ensemble des eaux pluviales ruisselées sont collectées et évacuées vers le milieu naturel, qui est en l'occurrence le canal, en respectant des données quantitatives et qualitatives. Bien que on nous parlait tout à l'heure d'un risque de, excusez-moi, on nous parlait tout à l'heure d'un risque d'inondation. Est-ce que justement, avec cette partie de votre réponse, c'est aussi à ça que vous faites allusion? Je fais aussi allusion à ça, puisque en fait, les services de l'État via Confluence ont été consultés et le retour qui a été fait de cette problématique au pluvial, c'est que en fait, et c'est une étude qui va être lancée très prochainement. La proposition qui a été faite, c'est de modéliser en fait un événement pluvieux important, en l'occurrence la pluie de 100 ans, pour voir quelle était l'incidence de cette pluie, donc des débordements et des zones inondées dans le secteur aménagé. Parce qu'on peut très bien envisager que effectivement une pluie de 100 ans vient générer son flux, sa zone, sa grosse mare. Et on peut très bien la concevoir dès lors qu'on est dans un espace, pourquoi pas le stade qui fait partie des équipements sportifs, mais qu'on comprendrait beaucoup moins si c'était effectivement le gymnase ou le lycée proche, etc. Donc, des études vont être diligentées, complémentaires de celles qui ont été organisées jusqu'à présent, pour vérifier effectivement quelles sont les incidences d'un événement pluvieux exceptionnel, la pluie de 100 ans, hein, qui peut tomber une fois tous les 100 ans, sur l'aménagement global du secteur, y compris la zone sportive, puisque celle-ci a été réalisée il y a quelques années et, si j'ai bien compris, les services instructeurs souhaiteraient que, en fait, cette modélisation de l'événement pluvieux soit aussi, la zone sportive actuelle soit aussi concernée par cette étude complémentaire. Merci beaucoup. Je pense qu'au passage, vous avez répondu aussi à un certain nombre de questions sur la circulation, mais on y reviendra quand même tout à l'heure, comme promis, avec M. Séry notamment. Pour l'instant, je vous propose d'avancer avec Catherine Georges-Héroc, avec une question que j'adore et que je vous lis et que je vais peut-être vous demander de traduire avant d'y répondre. Une CSPL a-t-elle été créée dans le cadre de la DSP ? Oui, donc c'est une commission de consultation qui est créée généralement dans le cadre des DSP, sauf que pour ce qui concerne Val d'Europe Agglomération et la commune de Coupvray, il n'y a aucune obligation à avoir ce type de commission. Voilà. Est-ce que la parole ensuite ? D'accord. Donc ensuite, donc on s'interrogeait sur ce projet est-il compatible avec la limitation de la consommation d'espaces naturels. Bon, je pense que là-dessus, il y a déjà une bonne partie des réponses qui ont été faites tout à l'heure autour des changements de PLU. Est-ce que toutefois quelqu'un souhaite ajouter un élément de réponse par rapport à cette question? Non. Par ailleurs, on nous parle de ce qui justifie les. Ah, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, juste pour recadrer le projet dans son contexte juridique. Donc le projet fait partie, le Val d'Europe fait partie de l'opération d'intérêt national de Marne-la-Vallée. Et donc le projet doit être compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France. Le Val d'Europe est un grand secteur d'urbanisation, de densification préférentielle. Dans le cadre du développement de Marne-la-Vallée. C'est un pôle structurant en matière de production de logements et le site d'implantation du projet est situé en zone de densification préférentielle par le SDRIF, avec une moyenne de densité à l'hectare de 35 logements à l'hectare. Donc ce projet rentre également est compatible avec le projet d'aménagement et développement durable du PLUI, puisqu'il répond aux objectifs de mixité sociale et de diversification en matière de développement économique. C'était déjà, le PLUI en vigueur prévoyait déjà un front urbain, l'aménagement d'un front urbain d'entrée de ville dans ce secteur, puisque la zone qui est située au nord de la rue de l'Èche et au sud de la voie ferrée, était déjà classée en zone 2 AUD, c'est-à-dire une zone d'urbanisation future affectée à une vocation principale d'habitat, avec une orientation d'aménagement et de programmation dite des chauds-soleils, et elle avait pour objectif initial déjà d'accueillir 30 logements permettant une mixité de l'habitat et en privilégiant de l'habitat individuel et de l'habitat individuel groupé. Donc, dans le cadre du PLUI, sur cette zone qui devient dorénavant de la zone AU, qui est une zone à urbaniser, elle contient des dispositions réglementaires qui permettent de réduire la consommation de l'espace, puisque notamment il y a une emprise au sol qui est limitée à 35% maximum. Donc l'emprise au sol, c'est la surface de terrain qui peut être bâtie par rapport à la surface du terrain, la totalité de la surface de la parcelle qui devra accueillir le projet. Ensuite, il y a la deuxième zone qui est située au sud, était déjà une zone ouverte à l'urbanisation, une zone urbaine, puisqu'elle avait pour vocation d'accueillir des équipements collectifs liés aux loisirs, au sport et à la culture et à l'éducation. Donc ce projet a nécessité une évolution de ce zonage, mais on reste toujours en zone urbaine. Et en matière de compacité d'espace, le règlement du PLUI prévoit que les rez-de-chaussée des futurs logements, puisque là ce sera une opération de logement collectif, donc sera occupé par des commerces et des équipements collectifs. De plus, ce projet s'accompagne d'une orientation d'aménagement et de programmation qualitative qui prévoit des itinéraires piétons, des traitements paysagers, d'aménagements paysagers, notamment en limite ouest du secteur, afin de constituer un espace de transition. Donc entre l'espace urbain et l'espace agricole, il y aura un paysagement spécifique qui sera fait, et un traitement paysager le long de la RD 45A afin d'intégrer au mieux les constructions et de permettre une entrée de ville qualitative. Merci beaucoup. Si Monsieur Archambault peut-être est toujours avec nous, on a une question qui revient autour du transit des gravats et de manière plus générale des déblais en tout genre dus à ce projet. Faut-il s'attendre à un impact qui peut a priori négatif, si ça se multiplie. Voilà, à quoi faut-il s'attendre en la matière, Monsieur Archambault? Ce qui a été privilégié, mais là, Monsieur le maire est certainement plus à même que moi de répondre à cette question, mais ce qui a été privilégié est que nous avons Urbanitus et Suez intégrés dans nos études et dans nos estimations de travaux, c'est que tout ce qui va servir, enfin tous les volumes d'excavation, aussi bien de la darse que ce qui est nécessaire à la mise en place des voiries, soit évacué par le canal, ce qui fait qu'on n'aura pas à solliciter dans sa structure et dans sa géométrie la route départementale. Donc ça veut dire que la première chose qui va être créée, c'est en fait une piste d'accès nord-sud qui va permettre déjà de gérer les mouvements de terre à l'intérieur du périmètre pour pouvoir les évacuer vers une structure à réaliser dans le cadre du projet, genre port provisoire, enfin, on va dire quai provisoire, pour pouvoir évacuer via le canal en péniche, en fait, tous les déblais de la zone, tout ce qui est excédentaire. Merci beaucoup pour cette réponse, c'est très clair. Avant de conclure avec vous autour de cette question de circulation et plus largement du projet, il y a une question aussi qui revient et qui est peut-être plutôt pour vous, Madame Larue, puisque beaucoup de personnes en ligne s'interrogent sur l'aspect concertation. Alors déjà, ils nous disent, bon, bah là, il n'y a pas forcément de gens dans la salle, on en a parlé tout à l'heure, mais au-delà de ça, ils demandent, est-ce qu'on est sur une concertation? Est-ce que le projet est acté? Est-on en train de parler de quelque chose qui est définitivement périmétré? Ou y a-t-il encore des marges de manœuvre? Est-ce que peut-être, et Madame Larue et Monsieur le maire peuvent répondre? Donc effectivement, en principe, cette concertation est en amont du projet. Là, on voit que le projet est quand même bien engagé, mais il reste, il me semble, des marges de manœuvre pour le maître d'ouvrage, pour prendre en compte un certain nombre de remarques que les uns et les autres peuvent faire. Et il me semble que ce moment en amont, il sera complété par l'enquête publique, il sera complété par d'autres moments qui seront plus en aval, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où les remarques et les commentaires ou les demandes que les uns et les autres peuvent émettre peuvent être prises en compte dans la mesure du possible, c'est-à-dire que tout n'est pas intégrable, mais il y a toujours des marges à prendre en compte. Merci beaucoup. Alors, revenons quand même sur cette question de la circulation qui vraiment fait venir... allez-y. Donc, juste pour compléter le propos, je réinsiste pour dire qu'il y aura une enquête publique qui est prévue à peu près à la période de juin-juillet 2021 et qui est une enquête publique traditionnelle au cours de laquelle tout un chacun pourra s'exprimer effectivement. Et là, le projet n'est pas définitivement arrêté. Très bien. Donc, revenons-en à cette épineuse question de la voiture, puisqu'on nous parle d'une rue en particulier qui a l'air de cristalliser un certain nombre de tensions autour de la rue Esbly. Y aura-t-il un impact sur cette fameuse... et Fontaine-Fleury aussi, pardon, excusez-moi. Donc voilà, beaucoup de commentaires autour de ces questions qui disent « Mais attendez, la question de la circulation ne se résume pas à l'école. Quel impact sur les rues adjacentes? Que va-t-il advenir de cette zone ?» Est-ce que vous pouvez nous fournir quelques éléments de réponse? Alors, au niveau de l'impact sur les rues au pourtour, alors, comme je l'ai précisé, je pense que voilà, aujourd'hui, les études qui sont ressorties font ressortir une densité de véhicules pendant le temps de l'école. Le fait de réduire cet impact pendant le temps de l'école, je pense qu'il est important, puisqu'il évite certains engorgements sur certaines rues, qui sont en priorité la rue du Pont-de-Trie, parce qu'on a une connexion avec la rue du Pont-de-Trie, et nous sommes en train d'étudier avec le département des modifications éventuelles pour pouvoir ajuster ces connexions-là. Au niveau du port fluvial et de son activité, le tourisme fluvial, comme son nom l'indique, vient par les cours d'eau. Donc logiquement, il se déplacera derrière. Le but, c'est qu'il se déplace d'une façon douce, puisqu'on veut développer le slow tourisme, pour venir visiter le musée du Braille, le château de Coupvray et tout son patrimoine. Donc les distances sont relativement faibles et nous espérons que dans la TSP, il y aura une location au vélo de façon à générer cette circulation douce. La voie de bus, la ligne numéro 6, passe devant ce projet avec un arrêt de bus pour l'instant qui est pendant le temps scolaire situé au droit de l'école du GS1 et cette voie de bus doit pouvoir... Enfin, sera en relais avec le futur TCSP, le transport en commun en site propre, qui permettra d'accéder à Disney. Donc pour la partie, je dirais, tourisme, on maîtrise à peu près le sujet sur les circulations douces et sur les transports en commun. Sur le sujet particulier des gens qui habiteront sur place, comme je le dis, les équipements sont à distance réduite, puisque le parc des sports, le groupe scolaire et un certain nombre de commerces, puisqu'on a un certain nombre de surfaces commerciales qui seront dédiées, seront sur place et normalement, il y a une vie locale qui va s'engranger d'une façon naturelle. Et aujourd'hui, tous les chiffres qu'on a prouvent que le RD45A n'est pas saturé et que le RD est capable d'absorber le fluide. Voilà. Sur la Fontaine-Fleury, la Fontaine-Fleury est une rue qui est située sur la partie nord-canal, qui descend sur la rue d'Esbly. Aujourd'hui, nous avons le projet des nouveaux quartiers de Coupvray est axé sur une colonne vertébrale qu'on appelle vulgairement la voie nord-sud, mais elle commence à avoir des noms et des identifications sur les quartiers. Et cette grande connexion nord-sud est censée relier la totalité des nouveaux quartiers, depuis la fosse Saint-Étienne, le quartier des Bonshommes et les Sans-Arpents, et qu'il y ait une voie structurée avec un gabarit qui permette des circulations beaucoup plus faciles que dans le centre-bourg. Donc logiquement, les flux devraient aller vers la voie nord-sud et non pas vers le centre-bourg. Je crois que vous souhaitiez réagir également sur cette question. Oui, également, pour venir conforter ce que vient de dire le maire de Coupvray. Beaucoup de personnes, effectivement, s'imaginent le centre de Coupvray envahi par des remorques à bateaux passant de façon incessante. Je crois que le port tel qu'il est conçu pour la plaisance, effectivement, et les bateaux arriveront par la voie d'eau. Si je dis cela, c'est pour avoir consulté les gestionnaires de ports de plaisance et qui se plaignent effectivement du manque de structures portuaires en Île-de-France, et ce qui amène des bateaux à être ventouses, c'est-à-dire à ne pas bouger, à immobiliser des places dans les ports. Et leur démarche, c'est de rechercher des lieux d'accueil pour créer des nouvelles structures, de façon à créer un maillage de ports de plaisance dans la région Île-de-France, de façon à obliger les bateaux à circuler d'un port à l'autre. Donc ce sont bien des circulations qui se feront par voie d'eau. Ceci étant, ça n'empêchera pas effectivement qu'il y ait peut-être quelques plaisanciers locaux qui amènent leur bateau. Il nous appartiendra à ce moment-là effectivement sans doute de mettre en place une signalétique qui identifie un itinéraire spécifique pour cela et qui utilise notamment cette voie nord-sud dont vient de parler M. Séry, qui sera tout à fait appropriée et qui évitera la traversée du centre-bourg pour rejoindre la partie nord de Coupvray et la zone du port. Voilà. Et puis je voudrais revenir juste sur un petit point aussi par rapport, alors là c'est sur le trafic sur le canal, la crainte effectivement exprimée par certains riverains. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que la navigation de sport nautique est complètement interdite sur le canal. Donc c'est vraiment qu'une navigation de plaisance et ce qui se fait à vitesse lente. Voilà. Donc pas de rodéo dans le port, justement, pas plus que tout à l'heure. Monsieur Séry, justement, on parlait tout à l'heure de l'état d'avancement de ce projet, de son côté consultatif, etc. Est-ce que ce projet pourrait encore aujourd'hui ne pas aboutir et pourquoi ? Je pense que, enfin, je ne vois pas pourquoi ce projet n'aboutirait pas dans la globalité, puisqu'on voit l'étendue d'énergie qui est autour de ce projet. C'est un projet structurant, innovant dans bien des domaines, qui respecte le développement durable et la continuité de la ville. C'est une nouvelle entrée du Val d'Europe dans la définition et la nature même qu'est Coupvray. Coupvray, aujourd'hui, c'est une ville patrimoniale dans laquelle il y a une certaine qualité de vie et le but, c'est d'apporter à cette qualité de vie et ces espaces sont là pour apporter demain un complément de qualité de vie. Voilà. Et puis, un élément qui est quand même très important, qu'il ne faut pas perdre de vue, on parlait tout à l'heure des problématiques économiques du secteur et la panne sèche aujourd'hui de Disney qui est quand même relativement compliquée et sur lequel se pose un certain nombre de questions. Il est important qu'on trouve des ressources économiques, que ce soit à l'échelle de l'agglo et à l'échelle de la commune, pour diversifier un peu nos offres de façon à pouvoir poser demain des ressources qui seront nouvelles et qui permettront peut-être de libérer une partie des habitants des futures charges qui nous sont imposées par le rythme de logement qui arrive derrière. Voilà. Très bien. Bon, je vois que les questions continuent d'arriver sur la circulation et notamment cette fameuse rue Esbly, mais je pense qu'on y est assez revenu compte tenu du temps qui nous était imparti et peut-être qu'il faudra poursuivre le débat avec ces gens sous d'autres formes puisque de toute façon d'autres phases sont aussi prévues. Pour conclure, tout de même, vous nous parliez de ce projet et de ses répercussions économiques et sociales aussi. D'ailleurs, beaucoup s'interrogent sur l'absence de communes limitrophes. Est-ce que ces avantages pourraient aussi rayonner sur les communes alentours? Parce que je pense que là, M. Descroix serait peut-être pas même de parler aussi pour le rayonnement sur l'ensemble du Val d'Europe, mais peut-être un petit peu plus loin. Je pense que c'est un marqueur important, un port dans un secteur est un marqueur important de tourisme et de qualité, puisque les marinas sont plutôt recherchés par leur qualité et leur envie. Peut-être, M. Descroix, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, vous parliez de l'absence de Vous êtes là pour les représenter. Non, en fait, sur le Val d'Europe, bon, c'est vrai que c'est un projet qu'on estime comme structurant, on en parle depuis pas mal d'années, trouver comme disait monsieur le maire de Coupvray, de nouvelles portes d'entrée un petit peu, on parlait du tourisme vert, hein, on en discutait avec, on a le maire de Villeneuve-le-Comte, en fait, qui est à l'opposé de Coupvray pour situer un peu le Val d'Europe. C'est vrai qu'on a Village Nature à côté, qu'on était dans une démarche de dire l'écotourisme, ça pouvait être une nouvelle dynamique un peu sur le secteur, par opposition au tourisme de masse qu'on vit aujourd'hui, avec la présence de Disney, d'un grand centre commercial. Bon, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est la première destination commerciale et touristique d'Europe. Et ce qu'on souhaite un peu, c'est avoir un tourisme qui est orienté sur des populations qui sont plus petites, qui sont diversifiées, et sur un pôle qui est vraiment l'écotourisme, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a... Quand le maire de Coupvray nous a, disons, spécifié son projet, son intention en début de mandat précédent, on a tous été, disons, assez attirés par cette idée-là, en fait, voilà, d'opposer un peu le monde économique au sens un peu fort qui est toujours au niveau marchand, j'ai envie de dire, sur notre territoire. C'était plutôt d'aller vers un tourisme qui était à destination d'une autre type de population, aussi familiale un peu, puisqu'on parle aussi de promenade, puisque là, en fait, c'est une porte d'entrée différente sur une nouvelle destination, enfin sur une nouvelle, je crois, aussi population, mais qui servira aussi aux habitants, aussi bien de Coupvray que de Val d'Europe. C'est aussi de bouger un peu. Hein. Un territoire, c'est pas fait simplement pour rester chez soi ou aller travailler. C'est aussi d'avoir des activités qui sont un petit peu tout autour. Et si ces activités peuvent être sur le tourisme et sur l'écotourisme, c'est intéressant. Parce qu'on parlait des bateaux, j'ai entendu parler des moteurs diesel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de développements qui sont aussi sur d'autres types d'énergie. C'est pour ça que l'électrique, ce sera très bien et ça peut être intéressant. Comme la station des services est à Lagny, ben, ceux qui auront disons un bateau un peu électrique, ils pourront le faire, l'utiliser. Voilà. Bon, en conclusion, c'est un projet qu'on porte. Merci beaucoup. Cette heure et demie de débat physique et digital touche à sa fin. Un petit mot peut-être pour conclure sur ce projet, mais aussi sur les prochaines étapes. Oui, juste une précision et par rapport aux questions qui continuent d'arriver et auxquelles on n'aura pas le temps d'apporter des réponses ce soir. Un bilan complet sera fait de l'ensemble des questions qui ont été posées. Un tableau d'analyse reprendra dans une grille d'analyse donc les différentes questions posées et des réponses seront apportées à chacune des questions. Donc ça fera l'objet du bilan de cette concertation. Donc un projet, on l'a compris, dont vous attendez un certain nombre de retours sur investissement, qu'ils soient économiques, sociaux, en termes de qualité de vie, etc. Et pour lequel les débats vont pouvoir se poursuivre très rapidement. Ah, je vois une main qui se lève et c'est du côté de Madame Larue qui nous parle de cette concertation, donc je l'écoute. Oui, non, je voulais juste rappeler que beaucoup d'inquiétudes des habitants ont été mises sur la table aujourd'hui et que dans les réponses, il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées parce que le projet a avancé et qu'on a des réponses. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte ces inquiétudes et éventuellement adapter le projet pour y répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement à défendre le projet tel qu'il est, mais aussi à considérer que ce que les uns et les autres qui vont finalement vivre avec ce projet émettent, eh ben, c'est des éléments qui doivent aussi faire la réflexion du maître d'ouvrage et l'enrichir pour que le projet soit de meilleure qualité qu'il n'aurait été s'il n'y avait pas eu cette concertation. Pour profiter de l'intelligence collective de tous et du savoir de chacun des parties prenantes, riverains compris. On a bien compris que vous étiez inscrit dans cette démarche. Merci beaucoup pour ces échanges. À très bientôt donc pour les riverains et pour les autres parties prenantes pour poursuivre le débat avec vous durant les autres étapes. Merci à ceux qui étaient présents autour de la table et en digital. Et merci à tous ceux qui ont assisté à cette visioconférence. À bientôt pour la suite, pour ce port de plaisance. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir.